Ah ben salut tout le monde, bonjour, bienvenue, bonsoir, bonjour comme vous voulez, fidèle à votre Quoi de neuf quotidien, émission au cours de laquelle nous abordons des sujets de santé, de société, de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous allons parler quand même des phénomènes assez inquiétants, donc la maladie d'Alzheimer. J'ai à mes côtés Madame Virginie Nian, qui est adjointe à la ville du Lamantin. Madame, bonsoir, bonjour. Oui, bonjour, bonsoir à vous et bonsoir à tout le monde qui nous écoute. Donc, Vous êtes partie de l'équipe municipale et vous avez en charge quoi exactement? Alors, je suis adjointe à l'action sanitaire et sociale. Donc, je suis également présidente déléguée du Centre communal d'action sociale. Mm-hmm. Le Centre communal d'action sociale a en charge l'accompagnement des publics en difficulté. Et nous sommes sur deux notions, l'action sociale, mais également l'action sanitaire, à savoir tout ce qui est prévention en matière de santé. Et il faut savoir aussi que nous avons des dispositifs clés aussi sein du Centre communal d'action sociale, notamment un contrat local de santé mentale que nous avons mis en place depuis 2020. Et partant de ce contrat local de santé, nous mettons en place un certain nombre d'actions. Donc cette année, en septembre, on est au mois de septembre, du 17 au 21, nous mettons en place des actions en faveur de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Voilà, la fiche qui sort. Et à vos côtés, justement, je vais dire en face de vous, juste en face, il y a M. Sébastien Gabriel. Lui, il est le coordonnateur de ce fameux contrat social. Ah. Alors Sébastien, bonjour, bonsoir. Bonjour Michel, bonjour à toute la population martinique. Donc, je suis coordonnateur du contrat local de santé, donc qui a été signé depuis 2015 au Lamantin. Et Madame Mian, effectivement, a fait mention du conseil local en santé mentale qui a été mis en place depuis 2020. Et dans le cadre du contrat local de santé, il y a certaines thématiques de santé prioritaires qui ont été identifiées par des partenaires, notamment l'ARS, puisque nous travaillons avec l'ARS et d'autres professionnels de santé. Et la prévention des maladies chroniques, notre cas, est une des thématiques identifiées par ces différents partenaires. Est-ce que c'est la première fois que toi, tu as l'occasion d'intervenir sur la thématique de la maladie d'Alzheimer? Alors, c'est-à-dire que nous, dans le cadre de nos actions avec le CCAS, j'ai eu l'occasion d'intervenir, notamment avec Mme Château-Henri, avec son association Neugéron, sur une caravane, la caravane des aidants familiaux, puisque les aidants sont aussi directement touchés aussi, parce qu'ils sont, ils sont en difficulté à ce niveau-là. Donc, nous avons mis en place en 2016-2017 avec Mme Château-Henri, la caravane des aidants familiaux. Et là, le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale, met en place ce qu'on appelle le café des aidants. Donc ce sont des ateliers dédiés justement aux aidants, à accompagner les aidants pour permettre d'avoir des temps de répit à ce niveau-là. Voilà, on va revenir vers Mme Virginie Nian. Alors, vous constatez comme moi que la maladie d'Alzheimer, c'est un phénomène grandissant qui ne touche pas que des générations d'aînés, mais actuellement on constate que la maladie, justement, en âge, à partir de 50, 60 ans déjà. Même avant, hein, puisque on a fait le constat qu'il y avait des jeunes d'une trentaine d'années, qui ont la maladie. Et bien souvent, la population ou les aidants ont des difficultés et ne savent pas comment faire. Donc, et puis, il faut savoir, sur notre territoire, on a, en Martinique, on a entre 8500 et 9000 personnes recensées ayant ce type de pathologie. Et nous sommes sur un territoire avec le chlordécone, avec un certain nombre de pesticides. Il y a un certain nombre d'études qui sont menées par des jeunes, et notamment concernant l'impact de ces pesticides sur la population. On a un certain nombre d'interrogations. Et comme je vous ai dit, sur notre territoire, nous pensons qu'il est essentiel prendre en charge. Quand on parle de notre territoire, c'est pas le Lamantin seulement, c'est-à-dire aussi. Parce que nous avons participé à un certain nombre d'ateliers, notamment dans le cadre du projet régional de santé. Et on a mis en lumière que sur la santé mentale, il y a des choses à mettre en œuvre. Et il faut savoir que la santé mentale, notamment également la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la santé. Et nous devons nous prendre en charge et mettre en place des actions sur nos territoires, là je parle des villes, pour pouvoir accompagner les aidants, mais aussi ces personnes qui sont en difficulté quand elles apprennent qu'elles ont ce type de pathologie. On va faire un petit flashback. Justement, la ville du Lamantin, toutes les villes sont concernées, mais la ville du Lamantin, ça fait un moment qu'elle a mis des moyens sur ce phénomène. Cette santé mentale, etc. Oui, donc comme je vous ai dit. Ça a commencé depuis quand? Depuis quelle année? Alors, donc on a toujours mis en place des réunions dans les quartiers en faveur. Sur les anciennes mandatures de... Oui, sur les anciennes mandatures, parce que l'enjeu santé, ça a été toujours un enjeu capital, une priorité.
Vous savez que depuis un certain nombre d'années, nous sommes en coopération avec Cuba, notamment sur le diabète. Donc nous anticipons, nous anticipons sur les problématiques, comme vous a dit, il y a des maladies chroniques, il y a la santé mentale. On a mené une étude d'impact pendant la situation sanitaire et on a mis en lumière qu'il y avait une problématique sur les jeunes, les personnes isolées, et il y a matière à mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et nous avons développé au sein des quartiers des réunions, notamment sur la maladie d'Alzheimer, comment reconnaître, comment accompagner la personne qui est malade, comment nous, en tant que, qu'accompagnants, je dis parce que nous sommes tous des aidants familiaux tout le temps, comment accompagner ces personnes en difficulté. Et puis, par moments, on a du mal à accepter, il y a le deuil de la personne qu'on a connue et puis qui change. Et puis pour la personne elle-même. Et donc, il y a des outils qui sont créés, il y a des méthodes qui sont données, il y a de la formation qu'on peut mettre en œuvre. Donc, nous avons signé la charte Ville aidante en 2021 avec France Alzheimer Martinique, de façon à développer des actions au cœur du territoire, donc dans les quartiers, avec des professionnels. Et puis il y a des films qui sont diffusés où des personnes partagent leur expérience de vie, notamment le film Elsa qui sera présenté le mercredi 20 septembre. Le 20 septembre. Voilà, le 20 septembre. À la Maison de la Culture de la Montagne. Voilà, où les personnes pourront voir comme le vécu des personnes et le comment faire. Et parce que quand on regarde ce type de film et on réalise la situation, on se dit, mon Dieu, ce n'est pas possible, ce n'est pas évident, d'autant plus que vous savez très bien qu'au niveau de la prise en charge des publics en matière de santé au niveau des centres hospitaliers, que ce n'est pas évident, on est dans une situation qui est assez critique. Donc, il faut commencer par s'aider soi-même. Donc, c'est ça l'objectif de la ville, mettre en place des actions. Donc, je reprends le 17 septembre. Alors, on met en place une marche caritative, puisqu'il faut, quand on signe une charte ville aidante, ça veut dire qu'on s'engage sur un certain nombre d'actions. C'est intitulé, mais marche caritative. Oui, ça peut prêter à la confusion. Donc c'est... Oui, caritative, c'est-à-dire que l'association, elle n'a pas beaucoup de moyens. Elle n'a pas beaucoup de moyens. Donc, c'est l'association France Alzheimer Martinique. Donc, il faut pouvoir la soutenir. Interpeller également le public. Voilà. Et puis, interpeller le public. Et puis, quand on fait une manche en soutien, c'est aussi montrer que nous aussi, qu'on compatit à la douleur de ceux qui... des familles. Et c'est aussi l'occasion d'un temps de répit, pour ces personnes qui peuvent se donner au sport, etc. Parce que le thème... c'est avant tout la maladie d'Alzheimer et les activités physiques adaptées et répit pour les aidants. On peut avoir le point de vue de Sébastien là-dessus sur les 7 marches caritatives, donc la maladie en elle-même. Oui. Et je ne vais pas dire une méthodologie, mais il y a quand même certains éléments, certains outils que vous proposez au public. Voilà, c'est-à-dire que, comme l'a dit Mme Mian, la thématique retenue pour cette année, pour la Journée mondiale d'Alzheimer, c'est les bienfaits de l'activité physique adaptée pour justement le sport, on va dire ça. Et donc, nous, c'est pour ça que Mme Mian a annoncé que le 14 aussi, il y aura une cause débat. Le 21 septembre, il y aura une cause débat à l'OMAS avec un animateur spécialisé en activité physique adaptée, M. Léopold Gauthier. Oui. Donc, c'est une cause débat organisée par l'ARS. Donc, là aussi, c'est pour vraiment vous montrer qu'il y a cet aspect activité physique qui compte et qui agit, qui est déterminant sur la santé des individus, notamment des aidants et des personnes atteintes de la maladie. Voilà, on va se revenir vers Mme Virginie. Alors, justement, il y a le malade, celui qui atteint de la pathologie, mais il y a l'entourage. Alors, sur les difficultés, vous les rencontrez à quel niveau? Le malade, bon, on sait, mais est-ce qu'au niveau des aidants, de la famille, vous avez une adhésion totale, quoi? Ça tique un petit peu des fois, ouais. Déjà, la difficulté, c'est de pouvoir accepter. De pouvoir accepter qu'on a un proche malade et c'est le regard, comme je vous ai dit, faire le deuil de la personne qu'on a connue au départ et comment elle est devenue. Donc, à la fois, au niveau de la ville de La Montagne, ce que nous mettons en place, notamment déjà le café des aidants. Le café des aidants. Et de façon à ce que... Ça se passe comment
Alors, c'est comme une causerie débat. Une causerie, voilà, oui. Et des personnes se rencontrent parce qu'elles ont besoin d'échanger. Mais oui, elles d'avoir ont, des expériences. Voilà, de partager les expériences. Oui. Et puis, des fois, en termes de méthodologie, donc sur telle situation, comment j'ai fait. Par exemple, dans des situations, on peut se rendre compte que la personne, si elle a un passé, notamment au niveau de la musique, elle aimait la musique, on va lui mettre un peu de musique. On va essayer d'adapter. Il faut pouvoir s'adapter. Ouais. Donc, chaque jour, il faut pouvoir s'adapter à la situation. Aujourd'hui, elle va pouvoir vous reconnaître. Demain matin, elle ne vous reconnaîtra pas. Donc, il faut pouvoir l'accepter. Il y a eu des moments où la personne peut être en colère. Et parce qu'elle-même aussi, elle vit... Elle est imprévisible. Je connais ce que vous... Voilà. Oui. Donc, c'est tout un soutien. Et je pense que la solidarité, le fait que les personnes puissent se retrouver ensemble, ça permet de soulager un certain nombre de maux. Et puis, comme je vous ai dit, nous avons signé la charte Ville Aidante avec l'association. Il y a la possibilité de mettre en place de la formation pour les aidants. Donc, je crois que c'est une vingtaine d'heures où les personnes se retrouvent. On leur propose un certain nombre de solutions, que ce soit du point de vue juridique, sur des démarches administratives à effectuer. Donc voilà, je pense avoir dit plus ou moins l'essentiel. Mais en tout cas, c'est une forme d'accompagnement global, de façon à ce que la personne, quand elle retourne chez elle, qu'elle porte un autre regard sur la personne, son frère ou sa sœur qui était et qui n'est plus. Alors justement, Sébastien, vous êtes un jeune homme actif, etc. Justement, quand vous voyez ça des fois, côté affectif, imaginez que vous ayez un parent comme ça, hein? Vous pensez que ça demande une attention, pas de, peut-être de les chouchouter, mais de leur donner des manières de réagir, quoi. Ouais. Alors, je peux voir avec ta situation, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de côtoyer des aidants qui étaient confrontés à cette situation-là. Alors, il y a ce qui se pose aussi au niveau de la disponibilité des aidants à participer à nos ateliers. Par exemple, on a mis en place des ateliers, mais ce n'est pas forcément évident parce que généralement, c'est un seul aidant qui supporte des fois dans la famille. Souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se décharge. Voilà, exactement. Sur quelqu'un. Si vous avez maman, ben, etc. Ouais. Alors, d'où l'intérêt de mettre, que madame a parlé des ateliers du Café des aidants, il y a un soutien psychologique qui est animé par un psychologue au sein du Café des aidants. Donc, les aidants qui assistent à ces ateliers peuvent bénéficier de cette écoute psychologique-là, à ce niveau-là. Oui, et par exemple, la gériatre, comment elle s'appelle? Madame Chaton-Henri. Oui, Chaton-Henri. Elle vous fournit des outils. Ah oui. Alors, l'outil est destiné à, bon, vous êtes l'édilité, mais... Et c'est vous achetez pour eux, comment on a la croix là. Alors, la personne les donne, se procure elle-même. De manière générale, les dents peuvent se fournir ou éventuellement le centre communal d'action sociale peut acheter à disposition de ses publics, puisque nous travaillons avec l'association Française Amère Martinique. Ouais. Et en fonction de leurs demandes, puisque nous sommes engagés sur un certain nombre d'actions en signant la charte ville aidante, notamment la sensibilisation, la communication. Donc, nous soutenons fortement l'association en finançant, par exemple, un certain nombre d'actions qu'elle pourrait mettre en place. Donc, nécessairement, si l'association rencontre un certain nombre de publics qui sont dans l'incapacité de pouvoir acheter ces livres, nous, ben, c'est notre cœur de métier d'accompagner des publics. Donc, nous accompagnons, on appuie. On appuie. Alors justement, on va revenir un petit peu au programme. On avait le 17 septembre, oubliez-moi, mais là, c'est très 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 bientôt la manche caritative. Alors toi, Sébastien, comment ça va se passer? Les gens se rassemblent? Ah oui. C'est pas un défilé de fête patronne? Non. Ou la matin, il y a des orchestres de rue. Non, il y aura une orchestre. Il y aura un groupe à vie. Alors j'explique, en fait, ça qui est passé... C'est pas qu'on a là. Non. Ce qui est passé, c'est que le départ se fera sur le parking du stade Georges Gratien. Donc, et la marche va se faire dans la pète, ça sera une boucle. Donc, il y aura deux parcours. Ah, c'est pas au bout même. Non, tu as raison. Donc, on part du parking Georges Gratien. Et effectivement, on va se lancer dans la plaine du Lamantin en longeant l'habitation Guigneron. Donc, c'est une boucle. Il y aura deux circuits. Un circuit de 5 km, donc toutes les familles pourront venir, et un circuit pour les plus aguerris de 8 km. Ah, 8 km, c'est à toi de quand même. Voilà, 8 km pour ceux qui sont vraiment aguerris. Donc il faut dire que nous sommes assistés dans le cadre de ces manifestations par l'association Team Lametrel, donc M. Agricole qui nous a donné son appui technique et qui a défini le circuit avec nous. Donc voilà, donc ça va se faire comme ça. Et il y aura une animation sur site.
avec le groupe Nupasav, donc un groupe à pied. Donc ceux qui ne peuvent pas faire la marche resteront sur site et il y aura cette animation faite par le groupe Nupasav. Oui, alors là justement, la marche, je reviens à Madame Virginie Nian. Alors, les enfants seront certainement en classe ce jour-là. Non, ce dimanche. C'est un dimanche. Ah oui, ce dimanche. Alors, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tout le monde. Ce serait bien qu'on sente un effort d'intergénérationnalité, etc. Mmh. Est-ce que ça aussi, c'est important, que les enfants voient aussi Mais l'action est destinée à tous. Hein. À tout le monde. À tout le monde, parce que nous sommes tous concernés. En Martinique, on a au moins une personne qu'on connaît qui est dans cette situation. Ou bien dans son quartier, une personne qui est dans cette situation. Et puis, c'est montrer l'élan de solidarité. On a perdu en solidarité. Donc, ce sont des actions collectives, hein, puisque dans le cadre de nos démarches au sein du CCS, il y a des actions individuelles, il y a des actions collectives. C'est toujours l'occasion de pouvoir faire corps ensemble, que le Martiniquais puisse montrer qu'il est sensible à cette situation et qu'on ne peut pas s'en sortir seul. Quand vous avez une personne atteinte de maladie d'Alzheimer et que vous savez, par exemple, c'est un voisin et que vous savez qu'elle a cette pathologie, demain matin, elle partait, je prends dans le cas de mon quartier, il y avait une petite dame, elle partait, etc. On savait, on était en alerte. Donc, on sait comment faire. Donc, c'est déjà porter un premier soutien, de dire aux uns aux autres, oui, nous compatissons à votre douleur, nous vous soutenons et que nous sommes là avec vous. Mmh. Voilà, donc l'élément lien social, évidemment, on a vu en quartier, hein, parce que ce n'est pas l'affaire d'une famille, forcément. Hein. C'est également l'affaire aussi. Et puis, c'est bien également de les retrouver ensemble aussi. Oui. Ouais. Et il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de gens par exemple complexes. Parce que vous avez laissé mon nom, il n'y a pas qu'à l'aider ou ça n'oublie. Hein. C'est là, hein, déni, ouais. Oh, le déni, ouais. Vous c'est... enquêtez, vous avez des signalements ou vous m'en avez la capacité. Madame, je te laisse après cette partie-là. Oui, sur la question de signalement. Donc c'est vrai, dans le cadre du Centre communal d'action sociale, il y a ce qu'on appelle le registre des personnes vulnérables. On est tenu. Il y a un service où ça va. Ouais. On est tenu. Tous les CCS sont tenus à l'obligation. Oui. Ouais. Peut-être, je ne sais pas si tout le monde le fait, mais on est tenu de tenir ce qu'on appelle un registre des personnes vulnérables. Et dans le cadre de notre CCAS, dans le service inclusion, il y a le pôle autonomie qui gère ce registre et qui appelle systématiquement pour savoir comment se portent ces personnes. Donc, comment on a pu élaborer ce registre? C'est-à-dire que depuis, on avait déjà un premier registre. Pendant la situation Covid, on en a profité pour alerter les familles. On distribuait les masques. Et pendant qu'on distribuait les masques aux familles, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait intégré dans le petit sachet la petite feuille pour le signalement, etc. Et donc, les personnes ramenaient ces fiches. On a fait de la communication. Donc, systématiquement, il faut faire de la communication, il faut informer la population. Et puis, on a ce qu'on appelle des comités de quartier. On a des comités de quartier et à chaque fois qu'il y a un certain nombre d'actions ou éventuellement il y a des publics en difficulté, il y a un signalement qui est fait auprès du Centre communal d'action sociale et de façon à ce qu'on puisse mettre en place des actions ou qu'on puisse accompagner. Oui, mais quelle parle d'action justement Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va répondre. Est-ce que vous avez prévu également des petits moments récréatifs, je veux dire, parce que je vois par exemple une pièce de théâtre, est-ce que vous les impliquez dans des actions de ce style-là, d'expression artistique? Est-ce qu'il y a des gens donc ça, ce qui se passe, donc... Vous proposez des activités? Oui, il y a des choses que nous proposons, puisque nous sommes dans une logique inclusive au niveau de la ville de Lamantin. Mm-hmm. Et avec M. David Zobda, nous avons statué de façon à ce que l'OMAS soit le pôle gérontologique. Pôle gérontologique. Donc, on a une unité pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Et dans le cadre du club OMAS, il y a des actions qui sont menées. On avait ce qu'on appelle les sentinelles qui rendent visite et qui accompagnent. Et puis, véritablement, donc on est en train de tout changer, redynamiser. Ouais. Parce que vous avez compris qu'avec la situation Covid, ça oblige, hein, ça nous oblige. C'est pas cassé seulement. Moi, je pense que la situation Covid a mis en lumière un certain nombre de défaillances. Et puis, nous interpelle sur notre manière d'accompagner et de fonctionner. Donc,
Donc il fallait revoir. On a changé, on a mis en place un nouveau projet d'établissement au niveau du centre communal d'action sociale. Les agents sont formés de façon à mieux accompagner, à mieux comprendre, parce qu'on a une population de plus en plus vieillissante avec des problèmes de mobilité, avec des personnes isolées. Donc comme je vous ai dit, voilà, des personnes isolées. Et donc, comme je vous ai dit, les choses se mettent en place parce qu'on a la volonté de changer et puis parce qu'on sait qu'on a de moins en moins de moyens et que vous avez bien compris, sur la loi du grand âge, il n'y aura pas nécessairement de financement. Donc le Martiniquais est obligé de faire entre lui et avec lui-même, avec les moyens du bord. On va rappeler quand même les grandes dates. 17 septembre, marche caritative. Oui. 20 septembre, la projection du film à la Maison de la Culture du Lamantin. Oui. Et puis le 21 septembre, clôture avec une pièce de théâtre, une petite partie artistique. Oui. Alors là, le mot de la fin, madame ou monsieur, est-ce que vous invitez la population à porter un grand intérêt à ces manifestations? Alors, qu'est-ce que je dirais? De toute façon, malais en monde, c'est malais tout le monde. Moi, je suis née dans une familiale. J'ai perdu il n'y a pas longtemps ma mamie depuis après la situation Covid. Et il y a toujours une solidarité. Moi, je vous demande d'être en solidarité avec ceux qui ont la maladie d'Alzheimer, mais avec les familles, les aidants familiaux. Donc, participez à la marche caritative. Donnez pour la solidarité et puis faisons peuple dans ce type d'action. Et faites-le pour vous, mais aussi pour eux. Voilà. Merci, merci. Vous avez compris que l'appel est lancé 17, 20, 21 au Lamantin. Donc, grande manifestation dans le cadre des journées de la maladie d'Alzheimer. À très bientôt. À très bientôt. Merci.